Sur la mémoire de notre collaborateur, le conseiller pédagogique de l'IEP Utsubio. C'est à son âme, M. Salomo, décédé. Donc, il est décédé. Si vous êtes obligé, la modèle avec votre commission, nous allons passer à la première étape de notre consommateur. C'est vrai, Madame Zen, qui est venue ici, mais nous allons quand même faire l'honneur de voir la présenter par rapport à notre rencontre de ce matin. C'est Madame le bien-être de Dalloa. Entendez par là, Madame le directeur régional de l'éducation nationale et de l'enseignement technique au niveau de Dalloa. Son côté, c'est M. le SG2, M. Balobi. Et à côté du SG2, c'est le chargé du pays de l'Église, M. Guy Martin. Oui, on va vous dire notre présentation. Après la table 9, nous allons présenter l'occasion à notre ambassadeur. Salut, collègue, conseiller pédagogique d'administration d'Aloa 3, secrétaire de séance de la commission de monitoring et de concession. C'est le statut commun, conseiller pédagogique du secteur, il était pas bien. C'est Pagny Alphonse, conseiller pédagogique du secteur d'Aloa 3. Nangou Kassoum, conseiller pédagogique du secteur Cascade, il était d'Aloa 3. Pagny Colabrin, conseiller pédagogique du secteur zone, il était d'Aloa 3. Madame Hiro, conseiller pédagogique du secteur abattoir, il était d'Aloa 3. Monsieur Berté Amgraman, secrétaire régional MDD, d'Aloa 3. Soro Grissa, SGA Sirassi, d'Aloa 3. Aïdara Issouf, SGA Sirassi, d'Aloa 3. C'est quoi là? SGA Sirassi, d'Aloa 3. Eva Michel, SGA, SGA, SAPSI, d'Aloa 3. Coffine de Saint-Paul, conseil pédagogique secteur, Itapia, d'Aloa 3. Patrick Bissache, SGA, MDD, Gabon. Romeda, SGA, IP, Gabon, merci. Madame Edren, monsieur le SGD, monsieur le responsable du Congo, au nom de tous les membres de la commission, ici, au nom du personnel de l'unité d'Aloa et de Dabo, et au nom de mon personnel, je souhaite bienvenue au sein de notre association pour nous réguler personnellement la séance de travail relative à la réforme et à l'organisation des enfants.
C'est un honneur pour nous qu'on dépisse de votre calendrier très chargé. Madame le Père, on finit à être présente. Vous-même, vous, esprit chrétien, silence. Nous en sommes énormément reconnaissants et nous voulons exprimer toute notre gratitude. Que Dieu bénisse cette séance de travail. Que Dieu nous inspire et fasse et nous permette de mener à bien cette commission et que Dieu puisse toucher le cœur des uns et des autres. Afin que l'apaisement, afin que tout au long de cette séance-là, que le respect de la hiérarchie soit conservé. Que Dieu bénisse cette séance. On aimerait. Dire d'abord des mots sincères de remerciement à vous, monsieur l'inspecteur, à vous tous, mesdames et messieurs, membres de la commission, pour l'accueil et surtout pour votre patience ce matin. Vous savez, pour les ressortants que nous sommes tous, les lundis matins sont vraiment incroyables. C'est le mot qu'on peut dire. Nous sommes à la graine depuis 7h30. Mais déjà, mon secrétariat, les dossiers brûlants qui m'attendaient, j'étais de nature à accueillir malheureusement cette situation du retard, une lettre de retard sur le programme. Si ça peut s'expliquer. Si mon retard s'explique, il ne saurait se justifier. C'est pour cela que je vous présente mes excuses. À vous, monsieur le secrétaire, et à vous tous, membres de la commission. Est-ce que je suis excusé? Oui. Alors, tout à l'heure, monsieur l'inspecteur a dit que je suis là malgré mon programme chargé. Mais c'est une activité importante. Hein. Je ne suis pas là malgré, mais cela fait partie seulement de mon programme chargé. La reconduction des directeurs d'école, la nomination des directeurs d'école constitue des activités très importantes. Ici, la question de choisir les hommes et les femmes capable, loin du regard de l'inspecteur, loin du regard du DREN, loin du regard du ministre, du dirigeant futur. Et dirigeant futur signifie bien dirigeant futur. Tous les aspects qu'on va rappeler tout à l'heure. Donc, quand on le peut, on est là. Et ce matin, je suis là avec les deux SG. Pour donner à cette activité toute sa signification. Très important. Je voudrais rappeler que l'année dernière déjà, le ministère nous avait annoncé de nouveaux textes. On va revenir sur les textes. Nous avons dû attendre. Je voudrais rappeler en définitive le courrier qui est venu en octobre 2013, signé de M. Mea Kwadio, qui nous a engagé à procéder à la nomination et à la reconduction selon les tests qui existent déjà. En attendant, je voudrais donc venir à votre attention ce courrier donc de M. Mea Kwadio d'Est qui date du 4 octobre 2013. Avant de revenir sur la norme de cette année. Il vous a été demandé, la note était adressée au DREN. Je dirais ceci donc,
il vous a été demandé de surseoir à toute nomination de directeur d'école dans l'attente de l'élaboration de nouveaux tests déterminant d'une part la composition et les attributions de la commission de nomination et de reconduction des directeurs d'école et indiquant d'autre part les conditions de nomination dans ces fonctions. Voilà ce que je viens de dire. Maintenant que l'année scolaire est entamée, de nouveaux tests ne pourraient s'appliquer que pour l'année scolaire 2014-2015. En conséquence, je vous prie de bien vouloir procéder pour l'année scolaire 2013-2014 à la nomination ou à la reconduction des directeurs d'école, conformément à l'esprit et à la lettre de l'arrêté numéro 0095-MEN-DELCO du 25 octobre 2010, fixant les conditions de nomination des directeurs d'école et de l'arrêté numéro 0096-MEN-DELCO du 25 octobre 2010, portant création de la commission de nomination et de reconduction des directeurs d'école. Donc, c'est à partir de ce courrier que, en début d'année, donc avec du retard, nous avons procédé à la reconduction et à la nomination des directeurs d'école. Alors, la note que nous avons reçue pour cette présente session, qui date du 1er juillet, 2014, nous sommes au 21, donc ce mois-ci dit ceci toujours de M. Lunia Quadio d'être objet de nomination de directeur d'école. J'ai l'honneur de vous informer que notre administration n'a pas produit de nouveaux textes relativement à la nomination des directeurs d'école. En conséquence, les actes concernant ce personnel sont toujours régis à la fois par l'arrêté numéro 0095-MEN-DELCO du 25 octobre 2010 fixant les conditions de nomination des directeurs d'école et par l'arrêté numéro 0096-MEN-DELCO du 25 octobre 2010 portant création de la commission de nomination et de reconduction des directeurs d'école. Alors, je vais m'assurer, monsieur l'inspecteur, que ces textes sont mis à la disposition des membres de la commission. C'est vrai que c'est selon ces textes que nous avons présidé la commission ce soir. Je vais m'assurer que ma tête, que tous ceux qui sont là ont en leur possession ces tests qu'on a répondu. Parce que c'est sur la base des tests que nous allons travailler. Oui. Merci, Mme Audrey, pour l'occasion que vous nous donnez. Je voudrais sincèrement dire que tous les membres de la commission ici présent, depuis notre arrivée jusqu'à ce jour, sont au courant des textes relatifs à la reconduction et à la nomination des directeurs d'école. À chaque séance, nous donnons quelques exemplaires aux membres de la commission. Donc, Mme Libre, je ne parle pas de séance. Voilà. Donc, revenons sur ce que j'ai dit tout à l'heure, il s'agit d'une activité importante. Dès que nous finissons, nous rendons compte à la hiérarchie. Donc, on veut s'entourer de toutes les précautions. On veut s'assurer que nous allons travailler selon l'esprit des textes. Si ils l'ont, on dirait, mais c'est heureux. C'est ce qui est normal d'ailleurs. On ne fera rien de façon
arbitraire, de façon subjective, de façon fantaisiste. Nous serons selon l'esprit. Nous sommes une commission. Nous allons rester à l'esprit des textes jusqu'à ce que de nouveaux textes viennent, ce soir, qui pourraient mettre donc de côté ce texte. Alors, on va donc lire.